300 000 réservistes vont donc être mobilisés. À l'échelon de la Russie, ce n'est pas tant que ça. William Molini, alors pourquoi cette annonce et pourquoi maintenant eh bien, tout d'abord, c'est une réponse directe et opérationnelle du Kremlin à la défaite d'Izium il y a quelques jours qui a permis aux Ukrainiens de récupérer 10 000 km2 dans la région de Kharkiv. Une des raisons de cette déroute russe, c'est le manque de soldats incapables de tenir les 2500 km de ligne de front. Alors, 300 000 hommes supplémentaires, oui, cela va permettre aux Russes de se régénérer, de combler les pertes, même si les capacités de l'armée russe sont en fait bien supérieures. 2,3 millions de militaires professionnels et jusqu'à 25 millions d'habitants mobilisables. Reste à savoir si l'intendance suivra. Ce n'est pas tout d'envoyer des militaires au front. Encore faut-il bien les armer, leur donner du matériel qui fonctionne. Et sur ce point précisément, on a vu que les Russes étaient loin d'exceller. Cette mobilisation de 300 000 hommes, c'est aussi une façon d'anticiper les référendums d'annexion dans le Donbass à partir de vendredi. Les Russes vont devoir apporter davantage de protection à ces territoires, puisqu'ils vont devenir Russes aux yeux de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin pourra désormais arguer que la Russie est attaquée en cas de contre-offensive ukrainienne et continuera de brandir la menace nucléaire en cas d'obstacle à l'offensive dans l'est de l'Ukraine. Merci William Molinier. Ce soir, au moins 360 personnes ont été arrêtées dans une vingtaine de villes russes lors de manifestations spontanées contre la mobilisation.